Allô, allô, allô. Bonjour et bonsoir. Bon, non, Pam, c'est Hans-Félix. Moi, c'est un éducateur pour PSL. Et je dis à Nabien pour nous qu'a fait un débat en parlant de qui ça a besoin pour qu'a trade. Et en plus, Nabien pour nous faire une démonstration pour qu'a montrer comment vous utilisez l'application MetaTrader 4 là qui est le MT4. OK, jodi a n'a record vidéo ça sur un téléphone Android pour plus monde qui gagne un téléphone ça type ça pour ka connaît comment pour ka utiliser application surtout pour débutants New York. Kounya la ça n'a fait m'a bien pour moi share screen moi. OK. Premièrement, ça vous voulez faire, c'est vous voulez You looking for me? You looking for me? You're welcome. You liked it? OK, kounya la n'a pou ale sou MT4, MetaTrader 4, et puis m'a cliqué, ça m'a cliqué. Kounya la, le mwen fin cliqué, ça m'a cliqué. M'a téléchargé, ça m'a téléchargé. Et puis, le nou fin fait ça, n'a pou ka utilise l. Très bien, et puis me cliquer open. Là moi fin cliquer open, m'a cliqué accepter. OK. Et là nous gagne MetaTrader 4 nous. Comme nous well, automatiquement MetaTrader 4 là ban nous en pile option. Et quand on regarde là, ça c'est et pair que ou ka utiliser pour ka trade. Avle di tout ça aussi c'est des formes d'argent qui a échangé entre une lot. OK, nous ouais dollar américain yo match avec dollar euro. Ouais, et Great British Pound, ça relé cob et Grande-Bretagne. Mais là nous ouais USD et monnaie japonaise. Nous ouais USD CAD. OK, nous en pile option. Eh bien, avle di nou gen an pil choix pou nou ka trade n'importe sa nou vle. Mais m vle fè nou comprendre tout que si ou ap gade nan coin gauche là, ouè tout automatiquement te gen tan gon account ki ouvri pou. Et sou ta vle ouvri un account différent de sa ou ba ou. Eh bien, se so a fè ou ap clique manage account. OK. Ou ap ekri, ou ap mete dwè tout sou et bon droite dans coin ici là côté où il y a plus là et puis on va cliquer ça et puis on va cliquer open a new demo ou bien open a demo account. Là fait ça ou ka choisi broker que vous voulez. Broker c'est une compagnie qui bon opportunité pour ka trade et pour ka mettre vrai l'argent dans un account non compte pour ka trade. Mais broker yo tout by lot service et service ça c'est account pratique pour ka et pratiquer avant ou mettre bon gens l'argent dans market là. OK, so on nous choisit un broker. Il y a en pile broker, des milliers de brokers, mais ça nous familier avec eux. Et si Haiti nous content de parler de Turnkey. Ma pwese mwe turn kia. Ba well. OK. Mkone Hugo's Way. Hugo's Way eskola. Jwen Hugo's Way. OK. E so, mi koman ba ayowe la? Ouwe fota mete o mwen onon isi la la.
Souffle quand il écrit John Smith. C'est pas un problème. Il n'est que seul ça pour faire, c'est juste mettre information nécessaire là. Numéro de téléphone n'a pas obligé, numéro de téléphone que vous utilisez. Et puis, email là tout, il n'est pas obligé, un email que vous vraiment utilisez. Il suffit que vous juste rempli information ça surtout pour account qui pas vrai à account pratique là il pas nécessaire OK allez dit qu'on y a là ouais que dit type de account il est déjà marqué he goes away leverage là c'est comme si pour chaque cob ou gain pour chaque dollar ou gain broker ba ou opportunité pour ou ka risquer plus que son gain à 500 fois. Et ça fait le marqué leverage 1 à 500. Ou bien on peut descendre à 1 à 1, 1 à 10, 1 à 25, 1 à 200. C'est choix par. Mais moi, j'aime toujours choisir ça. Puis, ouais, en cas que je me fais un risque, côté moi, entrer dans un trade qui vaut plus, plus que ça qu'on a habitué risquer. OK? En dernier lieu, nous voyons que là, nous cliquons ici de là, nous voyons qu'il y a des options. Il y a 3000, 5000, 10000. On va aller dans l'option 3000 là au moins. C'est un account démolier pratique. So, vous pas obligé et pas tête ou trop problème sur ça. So, ça n'a fait n'a cliquer create account, semble moi bon numéro maintenant mettez ajouter et puis voilà. So, ça m'a fait m'a prend photo information ça. OK. OK, information ça très intéressant. Et là moi checker ça, n'a connait que n'importe téléphone nous voulez utiliser pour nous reconnecter à 40 ça, n'a capable. Et ça fait nous pour information ça. OK. So, n'a continuer. Et puis voilà. Si nous allons dans le coin gauche là, nous allons marquer John Smith, bla 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 bla. OK. On nous parle de option ça nous voit qui site là. Si moi clique dans histoire, on va pouvoir montrer ni balance moi ni cob que n'a trade avec là, date là et ouais pas gain vraiment aucun trade parce que account ça nouveau. Si nous garder site là tout ou elle marque symbole en haut. Ou elle a un pilote d'information qui très intéressant que vous avez pour utiliser le avenir. Même calendrier à tout, comme on trouve histoire de l'autre et tel trade et pendant une série de 3 mois, etc. Ou bien jodia, etc. C'est ça, ça veut dire. Après ça, si vous allez sous trade et parti ça a bien pour montrer si ou non trade comme nous pas non trade nous pas on un well market balance équité et free margin OK équité avait dit si nous non trade et puis moi pour le moment poco close trade là beaucoup fermer trade là si trade là en profit de $200 après equity moi a dit $3200 si moi poco fermer un trade qui presque qui en perte ou bien qui fluctue ou après qui était à changer différent de balance là jusqu'à ce que nous fermer trade yo. OK free margin non nous pas obligé vraiment occuper nous trop de ça mais c'est juste assurer que vous comprendre que par rapport à risque que vous utilisez à 40 ou va affecter free margin non vraiment vrai c'est juste ou expliquer et combien dans limite à 40 ans ou gain pour ca utiliser le trade là et la plupart des fois free margin là qu'on différence entre et à 40 ou et équité kounya là nous pour aller dans mailbox lo al nan mailbox ou
ou après marqué new account registration. Allez dit sous j'ai perdu information et mot de passe et puis login nous ou ka toujours aller site là là ou ka joindre pour prendre un screenshot. OK. Après ça, l'autre bio c'est settings paramètres côté là sous aller site là là ou ka ouais que sous cliquer advanced mode là montre que chat là gain des informations différentes. Ça c'est genre screen où tu as de supposer sembler sous pour qu'on fait aucun changement dans chart là. OK, ou bougie là ou gain notre petit bagage puis si me taper droite moins si me taper droite moins sur écran on va pouvoir montrer différents time frame que moi ca ouais market là. Donc on me taper me cliquer M30 voilà M30. Tout ça aussi montrer m'a montrer comment on va gain pour utiliser MetaTrader 4 là pour ca trade. OK. So si me besoin entrer dans trade ou est-ce plus ça qui dans coin à droite là? C'est là on va rentrer dans trade. Côté où elle marqué market exécution et puis gon 1.0 dans mi-temps, c'est là où ca changer quantité dans volume ou ca ouvrir trade là. Donc si me voulez trade en position à 0.01 qui veut dire 10 cents, me ca rentrer là-dedans dans trade là pour cliquer en buy ici là ou bien si moi le market a poussé puis ou me ca cliquer buy by market et puis boom et puis cliquer voilà. Nous partis. OK? Son j'aime t'a expliquer nous equity a ou bien equity a c'est différence entre le non trade et puis c'est ou soit au positif ou soit pas positif l'a pas affecté equity a. Et ouais free margin non c'est différence entre account balance ou equity a. All right? Nous va obligé occuper nous trop de margin level pourcentage avec margin. Mais si ou ap mette trop force ou ap et mette trop pression sur account là ou ka wè information et information margin nan vin tout rouge. Allez di ou mette trop pression sur account là ou rentre dans trop trade à trop haut volume. Sou ta men fermé trade ou, ou ka mette droit ou sou écran et pou ap wè ou gen choix sa ou. Ou soit ka close order ou ka ouvri on lot order ou yon ka modifier order ki ou la dan. Lò modifier order ki la dan ki ou la dan deja isit la ou ka change destination kote ou pense market la pou ale a. Et à gauche ça c'était à droite. À gauche ou ka mette sa kele stop loss pou protéger account lan. Ou si market là a commencé à aller dans l'autre et direction différente. Comme nous avons un trade qui marqué euro USD, nous tapons droite tout doucement et pour ne pas gagner ni stop loss ni take profit. Take profit là qui veut dire que tu penses que market là bien pour aller dans destination, l'arrivée là, si moi dit take profit là c'est 1.0572. Donc modifier order ça, on va écrire ici là qui c'est 1.0572. OK, dernier petit numéro A, c'est en couleur lié, c'est en couleur seconde. Ou pas obligé mettre un numéro si vous voulez, mais c'est comme si vous voulez mettre un numéro tant pour 5 d'elle. Ça c'est pour satisfaire et différence entre combien a demandé pour lui, combien il y a vendre et l'argent qui va trade là ça compte vraiment important gain des fois parce que destination qu'on a envie market là arriver à si il arrive dans zone là et puis on nous dit et gain peut-être 3 micro pips qui market là pas arriver ou ka ouais bon petit différence qui fait market là pas close trade là pour contre pour. OK, so on a modifié et nous ka ouais que take profit là là. So kounya la ça nous va le faire. On va montrer nous un petit truc. Si nous prend droite nous
passer la gauche, ouais, ou gen trois options ici là. Première option, check mark là, c'est pour me close trade moi en profit. OK. Bien m'ka fermer partiel dans trade là, mais si ou à 0.01 lot size ou pas ka faire ça. Mais soit 0.02, 3, 4, 5, 6 n'importe bagarre qui et puis plus que 0.01, ou ap ka trade, ou ap ka close, ou ap ka fermer et des portions dans trade ou. Quoi c'est en profit, quoi c'est en perte. OK. So, laisse-moi faire ici encore. Si crayon veut dire modifier, allez dire si vous voulez changer destination tant que 1.0582, nous ca faire ça et vous cliquez modifier et puis tout si vous voulez mettre stop loss moins tant que 1.0510 par exemple et puis vous cliquez modifier qu'on y a là nous changer bah là de 0.00 ou bien de ça le pas de gain entre ça les gain. OK, qu'on y a là moi un profit de 18 cents, pas de problème. Dans les dans fond petit cobou là. OK. On tourne back ici là. Là moi virer là, nous voit ti graphe là ici là là, pas vrai? Ti graphe là. L'opézil, il menon sous chart là. So, kounya la, na pouwe, market la, montre visuellement ki bo ou ye pou position, premièrement, deuxièmement, take profit la, et stop loss la. Ale di si market la descend ki bo la, la pou ferme, trade la pou mwen. Pour ne pas perdre du pi plus. Et si market la pousse pi ou ici là, la rentre là, la dépasse là, la ferme un trade moyen en profit et la vin là dans l'histoire, moi. Histoire de trade moi. Vous comprenez? La m'tourne back ici là, dans panneau ça, ouais. Si nous regardons en bas, dans l'écran, nous avons panneau ça montre que c'est maintenant qui trade moyen. Si malé site la gauche côté gen trois bougie OK nous tourner dans zone côté nous ka wè graphique yo. OK. Kounya la. An nou di ou ta remè efase et pou fè ekran pi enteresan. Ta remè efase et ba sa paskou pa konnen ou pa itilize. La ale isit la kote F la ya. OK, ma pou retounen bak. An ou nan ekran ou el make F. Puis, le cliquer F là, ou K, et facile. Donc, ou ici là tout. Et facile. Et puis, kounyo ou el pala encore sous écran. Si vous voulez changer couleur bougie, mais ça n'a fait, n'a pas aller dans le coin gauche là. Aller dans settings mes paramètres et puis là nous descend plus bas dans la couleur et puis on va marquer bull candle et c'est là et puis nous cliquer on nous dit vert c'est marqué là monter plus haut bon on utilise bleu et puis bear candle
Vle di, bougi kap ale, kap desan pi ba yo. Nan pi utilize, rouge. Et puis nous cliquer dans dernier bagaille nous pour faire nous descend puis bas on cherche n'a cherché on nous tourner back dans couleur OK remarquer grid là veut dire et petit bar que nous te work ici là là petit chaos sous pas veut work petit chaos. Ouais, j'en ai guetant changé couleur là, bah, ou bien vers lui, la couleur haïtien, hein. N'a tourné back dans F là, ou bien nous ka aller ici là, nous cliquer F. Oh, c'est pas là, nous besoin. Aller dans paramètres. Et puis, nous aller dans couleur. Grid, on nous fait grid là, blanc, pour nous pas qu'à ouais, background. OK? Très belle. Pour nous là, nous changer Jean-Barré là. OK? Nous ouais, on t'y pis bien. Et puis, sans nous garder là, c'est bougie avec mèche. Bougie là, c'est quoi? Mesh là, c'est ti bagay qui tout mess que nous wè qui fait partie de bougie. On nous parle kounya là de différents time frame qui gen. Sou tape sou écran, wè nous ka commencer nan MN qui veut dire mois. OK. Nous wè market là di sou time frame mois, elle dit tout bougie représenté mois. Market la te pran pou te move. Kounya la, si m fè menm ba la, nou descend nan W, kounya la nou nan semaine. Sa ki enteresan, se ke, si nap gade nan kwen gòch la, nou wèl make euro, USD, W1. Ale di, nou konnen ke se nan time frame sa nou ye menm. OK? Nous avons gardé market là dans perspective de semaine par semaine. Si nous tournons dans si nous descendons D1 nous va arriver nous va aller non. OK, coup d'année nous voit que market là est en perspective de jour 24 sur 24. On voit toute bougie représentée 24 heures dedans. Chaque ton bougie fini, ou après li, créer un nouveau bougie. Kounya la, nap descend nan H4. Ale di nan bougie ki te représente joua, c'est là dan tout, ou après H4 la, fait partie de li. Bien sûr. Mais, ale di tout, ni ça. Ça, c'est 12 heures de temps lié. Mais l'autre 4 bougies autour, elle dit dans 6 bougies, ça, représente ça, on a regardé là, non? T1. Elle dit 24 heures de temps qui représente un seul bougie. Après, où est-ce qu'on descend jusqu'à 1 minute pour nous choisir et trade là? Elle dit qu'il faut nous comprendre et utiliser chaque time frame pour qu'on connaisse si ce type de time frame ça ou voulez focus sur lui pour qu'on ait qui style de trader ou y. On a bien pour apprendre ça au fur et à mesure dans l'académie, mais je dis à importance vidéo ça c'est pour qu'on comprenne comment utiliser MetaTrader. OK. Donc si nous voyons market là descend en bas comme ça, nous avons décidé OK, nous voulons prendre un trade ou sell. Comment on a fait ça? Eh bien, nous voici plus ça dans le coin droit là. Et là. Et puis nous avons cliqué sell.
et puis automatiquement li la sou tourner sou ou tourner ba ici là là ou ka wè mwen rentre dans celle là et si m pa de vle rentre dans celle ça et puis me changer l'idée n'a tourner back ici là et puis nous fermel close with loss ba ici là là et puis me ferme. Okay. Et si m da men rentre dans l'autre trade pour un buy parce que me senti que market là still a monté plus haut et bien m'a pas tourner back ici là là on va cliquer plus on cliquer buy et si m veux ajouter un autre encore on va juste faire un petit shortcut on va et puis moi aller là new order et puis me cliquer buy et qu'on a bien trois positions à 10 cents, 10 cents, 10 cents qui fait 30 cents. OK, je souhaite n'ap suivre. Avle di, nou wè l'autre position pou ko gen aucune information là-dedans. Fait en pile attention pour nous connait qui trade n'ap utiliser parce que et si nous pas faire ça, si nous quitter market là sans destination ou pas ba aucune information et pour l'arriver tel côté pour ou soit faire mes trade là en profit eh bien market là ca prend à 40 tout mener n'importe côté ou ca perdu à 40 là tout ça sont risques liés faites en pile attention il veut dire faut toujours chercher une destination pour tout temps même être trade pour pas perdre trop comme OK si on a pas changer information ça n'a pas le nous pas l'ajouter information 1.0571 dans tourner back ici là là petit crayon OK nous écrit 1.0571 stop loss 1.05 on nous dit 25. OK, nous modifions très bien. OK. Fait même bas là. 1.05 75 1.0525. OK, raison que fait me faire ça c'est parce que moi j'ai tant l'idée que moi pas vle market là descendre puis buy c'est là là pour moi dans trade là toujours et moi plus ouais que tendance là anti gens semblait li haussière mais comment me faire connait exactement côté me dévle take profit moi eh bien dans PSL ou bien pour comprendre information ça ou puis plus en plus de ça distance de côté market là et à côté moi mette take profit là c'est un autre bagaille ou bien pour apprendre en plus de ça. OK, parce que pour le moment là, market là à 1.0557. Elle dit de là à 1.0571 presque à 18 19 pips. OK, on a quand même dit 14 pips même. OK, on nous fait différence là. 71 moins 57 égale à 14. Oui, 14 liye. Ça veut dire, si market l'arrive dans la zone ça, m'a fait 1.40$. Parce que moi, j'ai un trade. Premier trade, moi, ferme 14 pips à 10 cents. Ça veut dire 14 multiplié par 10, bon, mon $1.40. Comme j'ai 3 positions, m'a fait même $4.20 de profit si market la aller dans direction que moi a anticipé. OK, so ça c'est comme ça ou ka rentre dans trade ou pour ni buy ni sell. Dernier bagage nous voulons parler de lui en bref c'est comment pour ka choisir nouveau pair que ou voulez trade avec. M'a pas choisi petit crayon pour me retirer de toi ba par un mais. Donc m'a cliquer poubelle là
Pas trade ça, on m'a retiré. OK. Mais qu'on a là voulait ajouter comme moi utiliser Hugo's Way qui c'est broker. Broker c'est Broker, c'est un paramètre que nous utilisons qui sont office online qui ban nous opportunité pour nous trade avec différents options d'instruments. Avait dit nous gain toute l'autre option ça on ka utiliser. Donc ou gain moun ki remet trade crypto mais crypto a là. OK, il y a des moun ki remet trade et indice et disou là ça c'est une ba moi met trade. Il y a des monde qui remet trade l'or ou bien gold la plan en métal et puis met gold dal. OK, dernier ba nous gien pour nous dire tout est-ce que n'a regardé nous wè nan écran nou wè marqué spread. Spread là c'est différence entre côté moun a rentré pour acheter et l'argent ou bien y a vendre l'argent. Allez dit ou même comme trader sou rentre non trade si spread la 9 allez ou rentre nan mi-temps côté y a ni vendre ni acheter market là. C'est comme ça et broker yo fait l'argent yo. C'est comme ça tout yo ka bon deal pour rentrer nan trade là. OK. En dernier lieu, nous wè euro USD mwen an, de gonti très rouge bon côté le pas vrai. Et bien ça c'est façon que fait me connait si mwen nan profit si m'pa konnen profit tout. C'est ba très simple. En tout, nous parler d'un pile bagay. Mais m'rete kwè que ti vidéo ça bon pile information pour utiliser connaissance ou avec ça le trading. OK, sous remet vidéo ça et sous te utiliser information sous utiliser information ça que m'baoua la vraiment utile ou en pile. Et sous ouais ou voulez montrer un bagage dans écran si plus ça ouais qui dans mi-temps écran c'est lui même moi t'a utiliser pour montrer ça ma contrôle. Eh bien, OK. La prochaine fois, je me souhaite que vous utilisez l'information ça pour faire un pile profit. N'attendons dans l'autre vidéo. C'était Hans Félix. N'apprenons à la prochaine fois.